Jeudi 17 décembre 2020, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans la 4e édition Éclair Info pour ce maintenant. Mais quelques principales informations qui pourraient le faire essentiel, journal. Unité lutte contre corruption ULCC démarré jeudi 17 décembre 2021, yon atelier formation deux jours pour commissaire gouvernement à greffier yo concernant mise en œuvre loi 12 février 2008 là sous déclaration patrimoine là. Dans occasion, directeur général ULCCA, M. Hans-Jacques Ludwig Joseph, promet ULCCA travail pour retirer pays d'Haïti sous liste pays côté corruption à valer terrain. Responsable matrice libération Antonio Cerami dénoncer et stratégie li di pouvoir en place là a utilisé pour créer violence dans divers quartiers populaires dans Port-au-Prince là selon ancien sénateur climat violence qui établi dans divers quartiers populaires dans Port-au-Prince là visé empêcher population mobilisée contre pouvoir en place là ministère santé publique ak population MSPP organisé journée jeudi 17 décembre 2021 une journée porte ouverte dans local centre national transfusion sanguine là dans Tiojo activité ça réalisé dans l'idée pour mettre population au courant sur qualité service institution à bail citoyen yo. Dans page internationale journal là, président français Emmanuel Macron testé positif na COVID-19 selon annonce par les présidentiels là Élysée jeudi 17 décembre 2021 qui précisait président français après le placer en confinement. Toutefois, chef l'État a continué à assurer activité liée à distance selon la présidence par rapport à annonce plusieurs gros autorités dans l'État tant coup premier ministre là et président Assemblée nationale là a placé en quarantaine. Bonsoir, ça va? Bonsoir. C'est pour un test, s'il te plaît. De combien? 1500 gouttes. Merci. En passant, 4 mois presque expiré. L'a expiré dans un mois. Merci, je vous fais moi ça. Mangez ça. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Oh, Maes. Mika. Agenadon. En forme? En forme, oui. Papa là. Bien acheté 2-3 petits bails ou qu'on baille? Avec 4 minutes de tout côté, ah, bien sûr. Bien sûr. By the way, vous vérifiez si pour la pas expiré? Expiré. Yeah, mon cause expiré. Mika va dire pour causer ça, mon cher. Bah, j'aime pas ça. Yeah. Oh, mais quand t'as expiré. Mon cas, une nouvelle facile, juste à n'importe qui agent autorisé, une bonne côté, ou bien n'importe qui sale, une bonne. Juste pas ça, il y a pas rapide, vite, gratis, si chéri. Gratis? Gratis, ouais. Rapide. Rapide. M'bral fait ça, Kounia. De toute façon, bon, m'bac à aller, ça m'bac à payer. Vois ça, c'est au capté. Non, ouais, ouais, vois ça, m'a dit. Bonsoir. Bonsoir. Il y va tout côté, de tout côté. Il y va tout côté. Si c'est pour acheter fait, acheter moto boxer. Jeune motoboxeur, tout partout, dans tout pays. Unité lutte contre corruption ULCC démarré jeudi 17 décembre 2021, yon atelier formation deux jours pour commissaire gouvernement à greffier yo concernant mise en œuvre loi 12 février 2008 là qui fait obligation à yon catégorie personnalité politique, fonctionnaire ak lot agent public pour faire déclaration patrimoine yo dans discours circonstance li directeur général ULCCA M. Hans-Jacques Ludwig Joseph fait connait atelier formation ça qui visait mettre à jour commissaire gouvernement yo cap défendre société a agréfié yo qu'a recevoir déclaration patrimoine témoigner volonté ULCC pour combattre toute bon corruption en Haïti. M. Hans-Jacques Ludwig Joseph déclaré combat contre corruption exiger bon formation pour contrecarrer et stratégie corrupte yo dans sens sa directeur général ULCC a promettre institution l'a diriger a travail pour retirer Haïti sous liste pays côté corruption a valer terrain. Directeur général ULCCA M. Hans-Jacques Ludwig Joseph Tenamico, Jean-Roberto Saint-Fort et Jean-Sony Lemay. Cette démarche traduit notre volonté agissante de combattre en amont et en aval le phénomène
aux effets dévastateurs qu'est la corruption. Si on doit espérer réussir ce combat que le gouvernement mène tambour battant, il faut absolument qu'on se dote d'instruments et de connaissances actualisées et avérées pouvant mettre en déroute les stratégies non sans importance des déviants, des récalcitrants et des contrevenants. Sous ma direction, nous faisons de la formation des agents qui interviennent dans la lutte contre la corruption une obligation. Nous croyons que combattre la corruption exige des attitudes instinctives et perspicaces permettant d'anticiper les risques et de sanctionner les faits incriminés accomplis. Combattre ce fléau nécessite une formation solide, susceptible de contrecarrer les stratagèmes continuellement renouvelés des corrompus et des corrupteurs. Cette formation ambitionne, dans cette perspective, de mettre à jour ou à point les administrateurs de la poursuite pénale, vous qui défendez les valeurs sociales protégées et les greffiers qui ont un rôle central à jouer dans la réception des déclarations de patrimoine. Ces responsabilités indispensables dans la mise en œuvre de la loi du 12 février 2008 impliquent, pour être bien assumées, une assimilation suffisante. L'UNCC travaille d'arrache-pied pour sortir Haïti de la carte rouge de la corruption dans le monde, ce qui donnerait sens et vitalité à notre combat serait de voir que toutes les personnalités concernées par cette formalité se conforment aux dispositions des articles 8, 8.1 et 8.2 de la dite loi. Ce qui donnerait encore plus de sérieux et d'endurance, d'éclat également à notre travail, serait que les mesures sanctionnatrices soient prises automatiquement et sans détour contre ceux et celles qui devraient prêcher par l'exemple, mais qui violent impunément la loi. La déclaration de patrimoine, mesdames, messieurs, les parquetières et les parquetiers, est un examen de conscience. C'est un rendez-vous avec la vérité. J'invite donc tout le monde à cultiver la vérité dans l'exercice de la vie publique. Mesdames, messieurs les substituts, je vous invite à assimiler les connaissances pointues que nous mettons aujourd'hui à votre disposition. Faites-en bon usage pour le bien collectif. Enfin, au nom du conseil de direction, je remercie le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Rockefeller Vincent, qui est en compagnie bien connue et bien aimée pour avoir précédemment dirigé avec brio cette institution avec l'unanimité qui la caractérise. L'ULCC, Monsieur le Ministre, notre cher Rock se sent honoré de s'associer avec votre ministère dans le cadre de cette formation importante. Sous bon parle ministre justice et sécurité publique la maître Rockefeller Vincent qui t'a participé dans activité ça fait qu'on est combat contre corruption pas cabaye résultat sans bras répressif la justice là pas poursuivre corrupteur yo selon maître Rockefeller Vincent loi 12 février 2008 là sous déclaration patrimoine là capable aider dans prévention et répression contre corruption dans occasion ministre justice là mandé commissaire gouvernement pour poursuivre tout monde qui fait faux déclaration patrimoine ministre justice et sécurité publique là maître Rockefeller Vincent Tenamico, Jean-Robert Saint-Fort, avec Jean-Sony Lemay. Les efforts dans le combat contre la corruption sont voués à l'échec sans un appareil répressif affûté, apte à faire payer au prix fort les corrompus et les corrupteurs de tout rang. Cet effet, le gouvernement
entend renforcer les compétences du bras répressif de la justice dans cette lutte dont dépend l'avenir de toute la nation. La corruption nous vole, nous tue, nous agresse quotidiennement avec une arrogance sauvage, ce qui exige que nous appliquions toutes nos forces et toutes nos lumières à la terrasser. La corruption trouble la paix dans la cité. Elle détruit notre image de peuple. Elle renverse les pouvoirs légitimes pour instaurer des camarillas à la tête de l'État. Nous devons donc l'anéantir par ses racines. Se conformant aux conventions internationales contre la corruption, l'État haïtien a pris plusieurs lois visant à faire taire les bruits assourdissants de ce mal chronique qui nous ronge à grande vitesse jusqu'à l'enrayer totalement. Parmi ces textes moralisateurs de la vie publique, il y a la loi du 12 février 2008 portant déclaration de patrimoine de certaines catégories de personnalités politiques, de fonctionnaires et d'agents publics qui fait une obligation à certains hauts cadres de l'État de montrer patte blanche à leur prise et à leur cessation de fonction. La déclaration de patrimoine est la clé de voûte du dépistage des enrichissements illicites. Les autorités de poursuite doivent être imprégnées des arcanes de cette loi. La maîtrise de ce processus facilitera la poursuite anticorruption. Trop peu de poursuites anticorruption, pendant que la perception de corruption dans le pays est parmi les plus élevées du monde. Donnons plus de vie à cette lutte importante pour léguer un meilleur pays aux générations futures. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique que je suis déclare ouverte cette session de formation en instruisant instamment les participants à mettre immédiatement leur apprentissage au service de la nation. Directeur exécutif Bureau Avocat International, Maître Mario Joseph, fait qu'on est libre au sérieux menace les ministres de justice et sécurité publique là, Maître Rockefeller Vincent, fait sous Bureau Avocat International, semaine passée, ya, dans le cadre de participation dans l'audience commission interaméricaine de Amounio, CIDH, côté Maître Rockefeller Vincent, te déclaré gouvernement haïtien préoccupé à cause d'une organisation de Amounio dans le pays qui a produit rapport partisan pour atteindre objectif politique, yo, selon Maître Mario Joseph. Pouvoir en place là impliquer tout bon vrai dans diverses violations droit moun en dans pays a tant que différents rapports organisation cap défend droit moun yo rapporté ça directeur exécutif BAIA Maître Mario Joseph Tenamiko Jean-Robert Saint-Fort avec Jean-Sony Lemay BAI prend menace ça yo très au sérieux les n'a considéré dans démocratie à la Jovenel belle bagaille go théorie. Gagnon escadron la mort qui mettait sous côté accident tout citoyen qui t'a poté collé dans projet craser pays avec Jovenel. Nous songe yo fait corps assassinat sous Maître Dorval. Ouais. Yo fait co-assassinat sur étudiant Grégory Saint-Hilaire dans enceinte même université parce qu'il t'a revendiqué droit pour le travail, droit pour bailler l'autre monde éducation. Nous connaît autorité dans l'État tant que représentant Jovenel, dans le département de l'Ouest, là, Joseph Pierre-Richard Duplan, Fednel Monchéri, et équipe criminelle, massacré environ 71 personnes dans la saline. Ils ont fait viol collectif sous forme actif. Ils ont boulé cadavre
moun yo nan population civile la. Et puis yo forcé le quitter quartier, yo forcé yo quitter quartier la Saline, pas de même opinion politique à pouvoir. Nous pouvoir utiliser mercenaires étrangers pour tous les citoyens qui ont manifesté contre des rivaux. Nous voyons tout massacre pouvoir fait ou bien qui fait dans mépris total autorité dans l'État et contre civil Cité Soleil, Pont Rouge, Belay et Latrier. Les pouvoirs qu'on puisse criminel, sanguinaire, PHTK, s'allonger douette, l'issou, son secteur dans la vie nationale, eh bien, c'est escadron là, mort, yo dit marché. Responsable Matrice Libération Antonio Cerami dénonçait une stratégie, li dit pouvoir en place la app utilisée pour créer violence dans différents quartiers populaires dans Port-au-Prince, dans l'idée pour empêcher la population mobilisée contre pouvoir qui montrait li incapable pour satisfaire revendication population. Dans occasion ancien sénateur a voyagé l'idée pour président Jovenel Moïse changer constitution. Selon Antonio Cerami, constitution 1987 la part responsable si autorité au pas arrivé construire l'école à logement pour population. Responsable Matrice Libération Antonio Cerami, Tenamiko Jean-Robert Saint-Fort et Jean-Sony Lemay. Nous connaissons pour bagay sa yo possible. Pour monsieur sa yo rive à coucher projet sa yo, faut yo mette masse défavorisé yo, moun ki nan quartier pauvre yo, faut mette yo en otage. Parce que yo connaît depuis yo pa mette yo en otage, tout projet sa yo pa ka rive atteindre objectif yo. Et bien qui sa yo fait? En famille et allié ou prend tout quartier populaire en otage. Jodi a n'a vive on bagay par exemple au niveau Belay. Yo attaquer des moun Belay. Pour qui ça? C'est des moun qui pa yo même d'accord rentrer dans mouvement Genève. Nous wè qui ça yo créé au niveau Delma 2. Nous wè qui ça yo créé dans ensemble de quartier populaire côté moun a mouri chaque jour. N'a pas assisté ti moun nou k'ap saute l'école, k'ap boulé. Nous n'a gardon volume crime. Est-ce que c'est constitution qui fait yo crime monsieur criminel comme ça? Nous même dans matrice nous estimer c'est pas constitution. L'autre bagaille encore, yo voyé zam dans série des zones. Là yo fin voyé zam dans série des zones ça ou former gang yo en famille allié, y a cap marché kidnapper moun et puis là yo fini un bon matin là yo lever papa yo tonton Sam frappe pied, li dit c'est pas projet Sam dégaver nous et ben qui ça ou fait? Sous base y a chercher moun yo té bay zam. Depuis ces malheureux yo joine sur route yo tout profiter pour un bal. Moi même moi pas d'accord sous base ou chercher moun ou te bay zam pour détruire moun la et village de Dieu. C'est pauvre yo qui rete bon la mer, n'a utiliser stratégie pour n'al prendre et moun nou te bay zam yo parce que nous connais yo. Nous connais qui est nous te armé. D'ailleurs yo parler dans radio, nous connais côté yo. Est-ce que société a sous base y a chercher gang? Nous pour l'assister maman Grégory continue à crier parce que jodi a pas gain caille non seulement pas petit yo manger petit li bon jodi a yo prend yo craser caille li. Est-ce que sous base ça n'a d'accord pour nous lever pour nous jouer nos des petits moun qui saute l'école qui prend balle sous base que y a chercher bandi? Moi même moi pour tout criminel à l'embacode depuis ces moun qui fait peuple haïtien mal, moi pour y à l'embacode depuis ces moun qui rentre dans kidnapping parce que zak sa nous pas connait nous même comme peuple haïtien. Papa de Saline te mouri pour nous vivre libre. Quel que soit moun qui veut kidnapper nous, c'est dans liberté nous la rentrer. C'est violer la violer droit nous d'abord. En dehors de l'argent à faveur nous mais yo continue à violer droit nous pour nous vivre libre. Et ben jodi a nous même au niveau matrice, nous lancer débat et c'est un commencement. Nous pour lancer nous dans une vaste opération pour nous cerner vagabond qui veut changer constitution non seulement pour mettre le Jean Payo ou après constitution parler de l'école gratis ça pas intéressé yo li parler de logements sociaux ou après trois ka moun c'est dans kay carton y a vivre dans quartier populaire ça pas intéressé yo. Bon là nous voulons changer pendant nous pas respecter ça pour peuple là qui ça nous va le mettre là même ta me connaît qui ça on va le mettre moi même penser jodi a marche matrice là non seulement li rentrer dans cadre bataille nous gain pour mener peuple haïtien souffre assez. Peuple haïtien souffre trop. Nous pas ka en famille et alliés qui témoun yo a continuer massacrer moun nan quartier défavorisé.
Organisation sociale Haïti tout neuf présenté journée jeudi 17 décembre 2021 différents projets yo di yo gagné pour participer dans quatre batailles cap mené contre phénomène insécurité dans pays d'Haïti. Coordonnateur général Haïti tout neuf là Dieu mérite Pierre lui qui dénonçait crime, vol et kidnapping qu'a fait dans société ya côté population pas qu'a dévoilé yo à cause yo paix annoncé création yon centre d'appel pour aider peuple à exprimer yo si toutefois yo ta témoin ou bien victime yo zak agression, vol ou kidnapping. À travers centre d'appel ça dirigeant Haïti tout neuf yo ap capable alerter autorité concernée dans justice ak sécurité yo pour kwape bandi ak vrai coupable yo. Si nous kwè déclaration Dieu mérite Pierre lui qui c'est secrétaire général organisation Haïti tout neuf là qui te nan micro Galens lui ak Mackinson registre. N'a profité de l'occasion pour que nous présenter tako jan nou te annoncé yon projet qui gagne deux volets, yon projet qui peut le considérer comme participation Haïti tout neuf dans la bataille qu'a mené pour combattre l'insécurité en Haïti. Projet ça, principal objectif, li, c'est créer un canal de communication et d'action entre la population et les dirigeants pour que justement nous joignions issue à phénomène insécurité. Évidemment, il y a un pile d'autres projets que le gouvernement a gagné, il y a d'autres projets de l'autre secteur dans la vie nationale a gagné. Nous espérons projet panouan capable d'un projet complémentaire pour aider nous joindre solution à problématique insécurité. Premier volet dans le projet, étant donné que nous rendons compte que manquer communication entre population pour des raisons de peur, pour des raisons très psychologiques que nous n'avons pas même besoin de continuer à citer, eh ben, nous créons un centre cybernétique au niveau de Haïti tout neuf que nous relais dans quatre projets qui relais projet sécurité sans frontières. Centre cybernétique, ça après le faciliter que quel que soit moun en dans population qui t'a remarqué en série de phénomènes ou épiphénomènes qui a passé devant yeux, tant qu'au viol, tant qu'au vol, tant qu'au moun qui a tué moun, tant qu'au moun qui a brûlé moun, tant qu'au kidnapping, quel que soit que action ça t'a passé devant yeux ou quel que soit ou t'a gagné moun nan proche ou qui victime de action ça yo, eh ben canal de communication ça yo a permettre que voir mon yo rive pi près rive joindre dirigeant yo qui j'en a fait ça nous gen centre cybernétique là avec 10 experts en TIC technologie de l'information et de la communication et que à chaque fois population relé nous dans centre là eh bien gen technicien ça yo expert ça yo qui analyser information yo traiter information yo et nous voyer information ça yo nous transférer information ça yo by DCPJ par exemple grosso modo c'est ça les deux volets du projet sécurité sans frontières. Tout le monde qui t'a aimé participer, bien entendu, dans le deuxième volet projet ça, yo capable relé dans un troisième numéro de téléphone qui c'est 31 62 0303. Toute famille qui t'a aimé recevoir yon ti moun la kaili comme famille d'accueil, recevoir yon ti moun comme une sorte de parrain pour ti moun ça, yo capable relé dans 31 62 0303. Dossier santé, ministère santé publique ak population organisé journée jeudi 17 décembre 2021, yon journée porte l'ouvri nan local centre national transfusion sanguine lan nan Tiojo. Activité sa réalisé nan l'idée pour mettre population au courant sou qualité service institution a bay nan société ya et puis présenter matériel y a utilisé pour contrôler san yo. Nan occasion ministère santé publique ak population docteur Marie Greta Wa Clément dressé yon bilan positif sou différents travail li di ki réalisé nan institution depuis environ 3 l'année et puis déclaré désormais c'est l'état haïtien qui a dirigé centre transfusion sanguine là pendant il présenter perspective ak plan li di MSPP gagnent pour bien gérer question don sang dans pays d'Haïti. Docteur Marie Greta Wa Clément c'est ministre santé publique ak population qui était dans micro Galens lui ak Mackinson enregistre. Eh bien jodi a son journée porte ouverte dans centre national de transfusion sanguine qui localisé et en les têtes et Digicel. Eh bien, jodi a Jean nous dit son journée porte ouverte parce que nous te vle faire nous-mêmes la presse, faire public là qu'on est prestataire yo comment centre national de transfusion sanguine nan a fonctionné et qui rôle centre de transfusion sanguine nan et gagné qui complication comment processus là yé là on moun ba yon pochette sang
que on pour le pour mon parent ou bien un monde qui est malade, qui ça nous fait avec pochette sang, comment il vient arriver ba un monde qui va recevoir ça. Donc en fait nous ouais et nous fait tout tour tout côté depuis salle côté monde n'a recevoir ça depuis salle et monde n'a bail sang comment le fait etc. tout laboratoire. Alors depuis 2017 depuis que moi-même monté dans tête ministère santé publique gagné en pile bagaille en pile travail qui fait sous centre national de transfusion sanguine. En fait, sous le programme national de sécurité transfusionnelle, n'a réalisé que depuis quelque temps, pas gain plein en pile pour réactif par exemple que mon a vinn dire que yo vini, pas gain réactif pour te ka faire et analyser et sang etc. Donc c'était but journée ça pour faire grand public là connaître qui ça n'a fait. Nous capable dire que au cours de ces années, si nous font petit bilan très court et gestion et centre national de transfusion sanguine nan, un petit peu changé parce que dans les années antérieures il était fait par un bailleur de fonds PEPFOR qui te gagné avec Croix-Rouge haïtienne qui t'a géré et centre national de transfusion sanguine. Maintenant depuis 2018 nous capable dire que fonds ça yo coupé. Et c'est l'État haïtien qui prend, relève et gestion Centre national de transfusion sanguine. D'ailleurs, il y a un nouvel organisme, une nouvelle structure de gestion qui est créée, qui relève ONASAPS. Nous avons pour nous rencontrer la presse, pour nous parler sur ONASAPS. Nan. Qui est ONASAPS? Nan? Comment elle va fonctionner? Et c'est structure ça qui pourra gérer dorénavant le sang en Haïti. Donc ça c'est premier bagaille là, gon changement de gestion qui fait. Donc c'est l'État haïtien parce que il y a différents modèles qui existaient mais l'État haïtien décidé que la prend gestion en main avec et finalisation avec fin fonds qui était gagné et à travers PEPFOR qui était bail et pourquoi Rouge haïtien était capable de gérer sans ça. Sous Bopal, directeur programme national sécurité transfusionnelle là, Dr. Ernst Noël, pas caché satisfaction pour initiative ça, il dit qu'il pral permettre population gain plus information à connaissance sous façon sans yo traiter avant yo faire don yo. Dr. Ernst Noël profiter occasion pour présenter et puis évaluer différents appareils cap utiliser soit pour faire dépistage ak pour examiner sans yo pendant les conseiller tout citoyen pour participer dans cadre programme collecter sans yo dans l'idée pour permettre plus moun jeune sans dans cadre besoin yo. Plus information ak directeur programme national sécurité transfusionnelle là, Dr. Ernst Noël. Qui te namiko Galen Sui ak Mackenson registre. Pratiquement pour machine yo que nous gagnons, nous gagnons travail avec des débailleurs qui te permettent que nous gagnons pratiquement $200,000 pour machine qui pour $200,000 américains pour machine qui nan dépistage et pour machine qui pral faire groupe sanguin. Et son machine qui était là déjà, qui n'a pas mis en marche, et que pratiquement nous dépensons déjà à $60,000 américains pour nous faire maintenance là-dedans. Ensuite, pour nous gagner un réactif qui est disponible pour nous faire examen. Donc, nous avons dit que jusqu'à présent, nous sommes beaucoup dans la situation côté que la population a fine, bien informée sur les affaires baissantes, et que les gens qui baissent, généralement, c'est les gens qui sont en difficulté. Alors que pochette sang qui a sauvé mon nom, ce n'est pas pochette sang qui n'a 20 au monde. C'est pochette sang qui fin testé, qui est disponible et que en urgence, que est capable de faire mon nom. Et c'est ça que fait, nous avons souhaité que y ait plus de monde dans la population qui vienne faire sang de manière volontaire. Et que sang n'a pas besoin de monde qui est malade. Et là, ça a plus de sang qui est disponible et a plus de monde qui est capable de bénéficier dans le moment où il y a plus besoin. Pour journée, le message que nous avons donné à tout le monde, c'est d'arriver dans le Centre national de transfusion sanguine avec un poste de transfusion que nous avons à travers le pays, à le baisser régulièrement de manière pour permettre de plus de sang qui est disponible pour la population.
Dans page internationale journal là, président français Emmanuel Macron testé positif dans COVID-19 selon annonce par les présidentielles là Élysée jeudi 17 décembre 2021 qui précisait président français a pral placé en confinement. Toutefois, chef l'État a continué à assurer activité liée à distance selon la présidence. Par rapport à annonce plusieurs gros autorités dans l'État tant que premier ministre là et président Assemblée nationale là a placé en quarantaine. Euronews Abdi Noplis. Emmanuel Macron testé positif au Covid-19. Après le diagnostic établi par des tests RT-PCR réalisés dès l'apparition de premiers symptômes, le chef de l'État français s'isolera pendant 7 jours, mais continuera de travailler et d'assurer ses activités à distance, précise le communiqué de l'Élysée. En conséquence, le voyage au Liban du président Macron, prévu mardi et mercredi prochain, est annulé. Il devait passer un réveillon avec les militaires français de la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, et rencontrer de nouveau les dirigeants libanais. Le Premier ministre français, Jean Castex, qui a contact du président, s'est lui aussi isolé, de même que le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, ce dernier ainsi que certains présidents de groupes politiques parlementaires, comme Valérie Rabault du Parti socialiste ou Olivier Becht d'Agir Ensemble, avaient déjeuné mardi avec le chef de l'État. Nous arrivons à un point pour nous mettre fin à la 4e édition Éclair Info pour semaine-là. Mais avant d'en aller, nous rappelons quelques points qui ont dominé l'actualité. Unité lutte contre corruption ULCC démarré jeudi 17 décembre 2021. Un atelier formation de jour pour commissaire gouvernement à greffier concernant mise en œuvre loi 12 février 2008 sous déclaration patrimoine. Dans l'occasion, directeur général ULCCA, M. Hans-Jacques Ludwig Joseph, promet ULCCA travail pour retirer pays d'Haïti sous liste pays côté corruption à valer terrain. Responsable matrice libération Antonio Cerami dénoncé stratégie li di pouvoir en place là a utilisé pour créer violence dans divers quartiers populaires dans Port-au-Prince. Selon ancien sénateur, climat violence qui établi dans divers quartiers populaires dans Port-au-Prince visait empêcher population mobilisée contre pouvoir en place là. Ministère Santé publique ak population MSPP organisé jeudi 17 décembre 2021 une journée porte ouverte dans local Centre national transfusion sanguine là dans Tiojo. Activité ça réalisé dans l'idée pour mettre population au courant sur qualité service institution à bail citoyen yo. Dans page internationale journal là, président français Emmanuel Macron testé positif dans COVID-19 selon annonce par les présidentielles là Élysée jeudi 17 décembre 2021 qui précisait président français après le placer en confinement. Toutefois, chef l'État a continué à assurer activité liée à distance selon la présidence. Par rapport à annonce plusieurs gros autorités dans l'État, tant que premier ministre et président Assemblée nationale là a placé en quarantaine. C'est point ça yo ak divers lot qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience ak fidélité ou te accordé ak journal là. Rete branché pour es programmation télévision. Bonsoir tout le monde.